here's something you should know about me. I just happen to like trials, I like danger, I like fire, I like nitro, I like getting in wild, I like a bit of blast, I like taking it fast, I like going to the end and doing it with no class. Just trust me on this, the moment you've been waiting for, kiss of death. And I'll meet you at the next step, but you can't beat me, so baby get in line and guess where I'm coming from all sides, high above, fire blasting off Monday night. Yo, salut, c'est Bébête. Non, je suis Pietre, rappeur. Je suis ravi de vous retrouver pour ce second épisode de First Grip. Le premier épisode vous a fait découvrir Shank 2. Nous en avons profité pour vous faire découvrir l'histoire, la campagne en même temps avec l'émission Shank's Adventure ou Shank TV. Là, on va tout simplement découvrir Trials Evolution, jeu Xbox Live Arcade. Exclusivité pour le moment Xbox 360. J'espère que ça va sortir sur PS3 et sur le SEN, le Sony Entertainment Network, pour qu'on puisse l'utiliser sur la PS Vita, ça serait vraiment super bien. Donc pour l'instant, on se retrouve sur 360. Je voulais vous faire voir simplement un petit peu ce que c'était avec la version de démo, mais il y a tellement rien que... du coup, je me suis dit, tant pis, je vais l'acheter tout de suite et puis je vais regarder un petit peu ce que ça donne directement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à mon avis, ça doit être un très 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 gros lancement, ce jeu, parce que j'ai discuté avec un petit peu de personnes dans ma liste d'amis, notamment avec GameActu.com, et il m'a dit que lui, c'est pareil, dans sa liste d'amis, il y avait énormément de personnes qui jouait à ce jeu. Donc en sachant que ce jeu coûte 1200 points, c'est un peu lui qui m'a convaincu, GameActu, tout simplement parce qu'il m'a dit ce jeu est génial, ça vaut les 1200 points, il y a du multijoueur, il y a les mini-jeux qui sont excellents, et il y a des petites nouveautés qui sont toutes bêtes, mais qui redonnent en fait une saveur supplémentaire au plaisir déjà et au bonheur de jouer qu'il y avait déjà dans Trials. Donc Trials HD, c'est le premier jeu qui est sorti sur Xbox 360. Et donc là, on se retrouve pour le deuxième épisode. Alors à savoir que je fais cette vidéo principalement pour GameActu. Comme j'ai vu qu'il avait fait un test dans la journée, je crois. Et comme j'adore son site, je lui ai proposé de faire une petite vidéo. Il m'a dit vas-y roule, pas de soucis. Donc c'est principalement pour GameActu qu'est faite cette vidéo. Alors on va découvrir le solo. Donc il y a garage statistique dans le garage, qu'est-ce qui se passe? Vérification, donc ça c'est plutôt pas mal. Verrouiller, ouvrir le marché. Le t-shirt est accessible à tous les joueurs de Trial HD. Tu trouveras Trial HD sur le marché Xbox Live. D'accord, je m'attendais à ce que ce soit déverrouillé, mais non, parce qu'en fait j'ai changé de compte, vu que mon ancien compte a été banni. Donc il faudrait que je re-télécharge, que je fasse une mise à jour de licence pour pouvoir débloquer ça. Donc pour ceux qui possèdent, qui ont joué à Trial HD, comme c'est le cas à mon avis pour la plupart du monde, vous allez avoir la possibilité d'avoir des petits goodies supplémentaires, des petites récompenses. Ça c'est pas souvent, mais c'est super sympa d'avoir pensé aux joueurs fidèles de la part de Red Lynx. Alors donc là on va faire un tour rapide, ça la caméra c'est super bien, ça permet de voir un petit peu... l'apparence du pilote, donc on peut tout modifier. J'ai vu trop tard qu'il y avait la possibilité de tuner ses motos, je pense. Ouais, ça c'est le garage, enfin je sais pas si on peut tuner, mais on voit globalement ses motos. On peut donc personnaliser son motard. Alors on va se lancer directement dans la course, on va pas tergiverser pour rien. Test de permis, promenade, donc il y a quand même pas mal de choses à faire. Ouais, il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc là, que ce soit, vous voyez sur la petite légende en bas, il y a garage. Pour y accéder, c'est LB. Donc d'une simple pression de la gâchette, on y accède. Il y a la petite sauvegarde automatique qui s'est déroulée. Donc on va faire test de permis pour que vous puissiez vous rendre compte directement. Donc là, on a toutes nos motos directement à choisir.
Donc en parlant de moto, justement, il y a GameActu dans son test, le seul point faible qu'il a trouvé, parce que donc c'est le premier jeu à 10, qu'il a noté 10 sur 10 sur GameActu.com. Le seul point faible, c'est que ce sont les mêmes motos que Trials HD que l'on retrouve. Sinon, il a noté que tout était excellent. Alors, tu as atteint un poste de point de contrôle. Tu peux revenir au dernier point de contrôle avec la touche B ou redémarrer depuis la touche back. Donc, redémarrer, ça permet, c'est si on a fait trop d'essais ou si notre temps va être dépassé. Parce que oui, là, pour l'instant, il n'y a pas de temps, mais le but de Trials, c'est d'aller le plus vite possible. En tombant le moins de fois possible. Donc vers la fin, Trials HD est devenu pour moi impossible à faire. Enfin, on va voir. Donc j'ai été jusqu'au maximum 99 fois enfin 99 tentatives et 100 fois. Enfin, et 100 minutes, un truc comme ça, ou 60, je ne m'en rappelle plus. Donc, ce qui est bluffant dans Trials, c'est qu'en fait, il y a une gestion physique relativement impressionnante. Donc là, vous voyez, vous gérez exactement. Enfin, c'est comme si vous étiez sur la moto, parce que vous avez la possibilité d'incliner et de ralentir, enfin, de mettre tout le poids à l'arrière. Vous avez aussi la possibilité de jouer avec le joystick, donc de mettre un petit peu le poids à l'arrière, mais pas trop, et pas forcément tout à l'avant. Et vous jouez aussi avec la gâchette d'accélération. Donc là, si j'accélère un coup et que je mets le joystick en arrière, je vais faire une roue. Et on peut même faire des flips. Par contre, si on met trop de poids à l'arrière, on se casse la figure. Donc heureusement, j'avais passé le petit. J'avais passé le petit point de passage, et donc là bah, je vais freiner, je vais peut-être faire pouvoir. Ouais! Oula, ou le bug! Oh, c'est sympa le petit collier! C'est sympa le petit collier! Hey yeah! Un petit écureuil! C'est la caisse d'épargne, represent! Alors, donc j'ai vu que j'avais débloqué un succès, on va aller faire un tour dans les succès tout de suite. Parce que il a une particularité, ce jeu, c'est le premier jeu à avoir 400 points de succès. Alors, écrase ta moto, écrase-toi tous les os du corps dans un crash. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Termine toutes les pistes de l'événement au Laker. Donc voilà, 20 succès, mais cette fois-ci pour 400 points, c'est le premier jeu. Alors, une fois qu'on a fait le tour, et ben je ne vais pas jouer la course suivante parce que vous avez vu globalement comment c'était. Je vais tout simplement aller voir dans les mini-jeux si. Je ne sais pas où ils sont par contre. Peut-être multijoueur, Xbox Live, local. Ah oui, grande aussi, enfin, grande importance, c'est qu'on peut jouer jusqu'à 4 joueurs en local, donc avec 4 manettes sur la même console. Ça, c'est pas souvent. Et faut quand même le souligner parce que des jeux Xbox Live Arcade, enfin il y en a beaucoup du côté du Xbox Live Arcade, mais en général il n'y en a pas souvent. Alors recommandation, qu'est-ce que c'est? D'accord. Centrale des pistes, obtenir, éditeur standard, éditeur pro. Alors, une particularité aussi de Trials HD, enfin de Trials Evolution, pardon. C'est qu'il y a la possibilité de créer ses pistes soi-même. Donc on passe un temps fou, il y a une communauté assez importante qui crée des pistes. Et le gros avantage donc avec ce créateur de pistes, c'est que tous vos amis qui créent des pistes, que ce soit les plus simples ou les plus barbares, et ben vous avez la possibilité d'y jouer. Ils vous les partagent. Alors là, apparemment, ça a l'air de mettre un petit peu de temps. Donc, ou alors tout simplement, les amis ont pas encore fait de pistes. Donc sachez que vous avez la possibilité, quand vous allez dessus, vous avez la possibilité de voir directement, de voir les pistes déjà qui ont été faites par vos potes. Alors il y en a des vicieuses, il y en a des vicieuses, il y a le petit frère requin qui en a fait une, elle était impossible à faire, mais elle était bien marrante, elle était impossible. Elle était super prise de tête, mais il y avait possibilité de la faire. Donc je vais vous faire voir rapidement comment ça se passe pour l'éditeur. Donc voilà, vous avez le plan, enfin la map. Alors ça par contre c'est pas forcément évident. Donc avec le joystick droit, pardon, on se dirige.
Avec le, enfin, on oriente la flèche, que ce soit sur le, on oriente la flèche sur le, sur l'environnement, et avec le joystick de gauche, on peut faire des zooms, et on, en fait, on a la caméra, donc on va à gauche, à droite, on fait un zoom avant, un zoom arrière. Donc placer le point de départ, on va placer le point de départ, bah, juste ici. Donc ça, on peut l'orienter. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même un éditeur complet. Alors là, multi sous sélection. Vitesse de la caméra, initialiser la caméra. Menu de l'éditeur, choisir moto, paramètres. Nouvelle piste. Donc là, sur Start, vous avez tout ce qu'il faut pour gérer la piste. Donc à savoir l'enregistrer, la supprimer, toutes ces choses-là. Alors, on va mettre un petit truc ici. Sélectionner. Ah, nouvel objet. Donc nouvel objet, c'est avec le la flèche. Donc on va mettre, on va aller voir un petit peu commun, un petit jeu nettoyage, lumière. Donc il y a tout un tas de lumières à mettre, de torches pour éclairer quand c'est un univers fermé. Donc ah, il y a plusieurs versions, ça c'est plutôt pas mal. Truc qui change pas grand-chose, mais donc ensuite général, nous avons des barils, des pneus, ouais des oula, des gros pneus. Une citerne, bon ça je pense que ça peut exploser, physique, donc là vous voyez sur la droite vous avez tout ce qu'il y a de physique, tout ce qu'il faut. Alors, enfin vous avez tout ce qu'il faut, vous avez des effets, vous avez même la possibilité de mettre des éléments en favori pour créer bah, votre piste complète. Donc votre piste elle peut aller jusqu'au bout ou elle peut aller sur le côté. Là vous avez vraiment c'est là c'est de la 3D complète. Vous avez un univers latéral, enfin vertical et horizontal. Vous avez vraiment une liberté totale pour créer vos pistes. Alors là c'était qu'un éditeur de piste standard. Donc là les pistes pro ne sont pas de bons obstacles. Donc ouais, bon là je vais pas m'étendre relativement dessus. Je pense qu'il y a ce qu'il faut. Donc voilà, donc je pense que vous allez pouvoir aller lire le test écrit de sur gameactu.com. Il est excellent, le jeu est excellent, donc notez 10 sur 10. Moi j'ai pas pour habitude de noter les jeux au maximum, mais c'est vrai que c'est une tuerie ce jeu, il n'y a pas d'autre terme, il n'y a pas d'autre moyen de. Enfin, il n'y a pas d'autre style de jeu. Enfin, enfin, pas d'autre style de jeu, c'est pas exactement ce que je voulais dire, mais il n'y a pas d'autre mot pour dire ça, enfin, pour décrire le jeu, c'est vraiment excellent. Il y a du multijoueur en ligne ou en local, si pour ceux qui n'ont pas le live. Il y a une durée de vie relativement impressionnante. Bon. En plus, pour ceux qui veulent une difficulté progressive et qui veulent de la prestance dans le jeu, vous allez en avoir, c'est obligé, plus ça va et plus c'est difficile. Alors, je vais prendre la première, hein, comme ça, je vais prendre la première map, comme ça, on va terminer là-dessus. Donc, foncez. Ce ne sont que entre 12 et 15 € en fonction des prix auxquels vous achetez vos points. Sachez que vous pouvez acheter des Microsoft points à prix très 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 intéressant sur simplegame.fr. Pour vous donner une petite idée, c'est 9,90 € les 800 points. Pour l'instant, il n'y a pas encore les 1200 points ou des points plus élevés. Mais il y a la possibilité d'acheter des points moins chers. Donc là, vous pouvez vous en rendre compte. C'est excellent, c'est fluide, c'est beau. Et voilà, j'ai gagné. Bon, j'ai pas battu mes potes parce que j'ai discuté. Donc je vais faire une dernière dédicace parce que là j'en ai fait. Enfin, j'ai parlé de pas mal de monde. J'ai vu que c'était Pipo qui était premier. Donc comme Pipo, je sais que tu vas regarder la vidéo. Attends-toi à ce que tu aies des défis. Et Game Actu, c'est pareil. Tu m'as dit la dernière fois sur Twitter que t'allais avoir que tu voulais me donner du défi. Il va y en avoir, t'inquiète pas. Alors sur ce, je vous dis à très bientôt. Bon jeu. Et surtout, ben, on se retrouve sur Trials Evolution. Allez, salut, à plus tard.